équipement acheté pour aller faire route pour vous. Pour jouer une route qui a sorti Maïsad pour venir à Echelon, les gens qui ont rivière, qui ont fruit, qui ont barré. Travaux publics, je dis, après 4 ans de mandat, ça, c'est assez tard. Il faut qu'il y ait un pont, l'on sorti Maïsad pour venir à Echelon. Il faut qu'il y ait un pont qui fait, il faut route l'asphalte pour route la soie. C'est ça. C'est ça que la République vient d'aujourd'hui. Les 20 jours, là, sont automatiques pour Vinège. Il faut que la route soit asphaltée. Il faut qu'il y ait un pont jeté sur la rivière. Aujourd'hui, pour mettre ses dettes, nous ne sommes pas encore en conseil président qui a parlé, mais l'équipement. Nous ne sommes pas encore en conseil. Ce n'est pas sur le podium, nous sommes là. Nous sommes sur le bulldozer que l'argent peuple, l'argent acheté pour venir servir. C'est sur l'île, c'est ça que je te promets. Je te promets route, je te promets courant, je te promets de l'eau. Je te promets agriculture. C'est ça que je viens de faire. Même si nous avons acheté, l'État, ça, son l'État que nous avons mis sous pied, nous avons construit pour nous servir. C'est ça que fait député qui l'a eu. Je parle député Enel Abolon qui député tout le monde. Qui n'est pas même parti avec moi. Député Enel n'est pas même parti. Député Enel sous parti petit de Saline. Moi-même, je suis sous PHTK. Je dis à nous obliger de mettre nous ensemble. Nous mettons maintenant là, mais pour où? C'est ça, lié. Député de la Cruz qui est élu sous KID. Ce n'est pas sous même parti. Même là, c'est ton parti allié. Mais nous mettons nous ensemble. Pour nous venir travailler pour où? Deux députés PHTK. Député Bogé, député Jidjan qui là. Ça veut dire nous-mêmes, nous mettons tête nous ensemble pour que Wout Boukakaea et ses députés Jidjan, si ce n'est pas lui-même qui te prend toute frappe à faire voter budget criminel, lui vote-le. Je dis à nous, madame, qu'il soit pour nous gagner Wout Boukakaea doucement. Boukakaea doucement, nous ne pouvons pas gagner si député Jidjan pas courir. Budget 2017-2018 là. C'est samedi, mon budget criminel là. C'est lui qui mette ça là. C'est lui qui fait aujourd'hui là. Nous gardons route de moi. Route ça garantit le faire. Parce que quand y a un mon jouet mené. L'équipe pour le faire là. Aujourd'hui là. Misère. Sous-développement. C'est plus gros l'ennemi que nous gagnons aujourd'hui là. Mais pour nous avec deux gros l'ennemi ça là. Gagnons maman l'ennemi que les corruptions. Ça avec lui m'a bataille. C'est ça que fait notre équipe ça là. C'est bataille contre corruption. Où t'es là? 123 millions de dollars. C'est équipement pour plateau central seulement d'acheter. Mais si t'es mon petit j'en viens d'être long qui t'a fait non. Mais je dis à Satan de Pelig. De Pelig matin. Hein. Deuxième tubine Pelig la dérapé. Troisième n'a dérapé dans Mohamed. Ça veut dire Pelig. Après presque 20 ans. Retourner après le bail toute capacité qu'il te compte bail 54 mégawatts m'annoncer Pelig d'où m'pral construire barrage à Tibonite 4CA pour mettre l'autre 32 mégawatts sous Pelig pour faire 86 mégawatts m'a fait on demande ça bon ben nous on l'autre gros nouvelle encore tout 10 directions départementales pays avant qu'il y ait pas vrai ça nous clair. Nous faisons trois gros unités pour construire barrage irrigation dans le pays. Chaque unité barrage a gagné 4 bulldozers. Vous voyez, déclare, il a gagné 4 bulldozers. Il a gagné 3 excavatrices, il a gagné 2 compacteurs, 15 camions, bascule, 4 camions de l'eau, on grue pour lever poids. Chaque unité pour faire barrage irrigation. Nous avons chaque barrage irrigation. Hein? Même Jacques Pelig, barrage nous a fait Pelig là. Actuellement, il y a un cap fait sur rivière Marion, nous commençons dans le département sud-est. Pour le département centre, il y a deux barrages nous allons faire là-dedans. Nous avons fait un barrage sur rivière Guayamout, nous avons fait l'autre barrage, il y a trois rivières qui ensemble, nous voulons parler de Enkit, nous voulons parler de Cano, nous voulons parler de Rio Frio, nous allons faire un barrage sur trois rivières, ça, pour qu'il y ait deux gros barrages dans le département ça. Ça, c'est budget criminel. Équipement, il y a acheté déjà.
80% dans l'Orient d'Avigny. Ça, c'est unité barrage là. Nous parlons de trois unités comme ça. Ça veut dire que nous avons construit trois barrages ensemble dans le pays. Ça veut dire qu'un barrage doit être fait dans le centre, on doit être fait dans le sud, on doit être fait dans le nord-est. Trois ensemble. Nous avons un équipement pour tout. Parce que vous parlez avec nous, vous comprenez. Ça, c'est un bulldozer. Bulldozer, ça, Macli, c'est Caterpillar. Ça veut dire que son machine qui a une grosse puissance. Eh bien, pour nous nettoyer toute rivière dans le pays, nous achetons 10 bulldozers T9. Nous allons nettoyer la dernière rivière qui est dans le pays. La première rivière, nous avons commencé sous lui. Nous avons commencé dans une rivière qui est la rivière Blanche, dans le département de l'Ouest, dans la commune d'Antier. C'est là que nous avons commencé à partir du mois d'avril. Nous allons tirer la rivière, ça net. Ça veut dire que nous allons tirer la rivière. Rivière nous elle est au côté roche à gravier côté de l'eau passer à contre pire passer rue les rivières descendent les inondés villes là les inondés pleine nous pas mettre l'eau dans wall nous pas curer nous gain 60 rivières dans pays là n'a curer pendant 4 ans cabine là nous gain équipement pour ça on compte caravane n'a pas lancer gain forum des élus locaux pour le faire avec coordination caravane n'a pas rencontrer nous. Moi-même, après rencontre ça, je vais faire un petit passé pour me parler, pour m'entendre nous. Parce que mon collectivité a un pile problème. Mais pas oublier, grande ville, je connais nous un problème fatra en pile. Dans l'équipement, ça a commandé, dernière nouvelle, ça magistrat, je vais nous commander 58 compressifs. Nous connaissons ça compressif, ça a les camions fatra. Des 58 camions fatra, crasent tout le pays. Parce que fatra, c'est poison. Moi-même, j'en viens, l'aime de Dimon, m'de kon, le matin, devant pot la kaye, moun la kaye, ba lèl, fatra yo entra vel en dan. Yo mette le non panier, deux fois par semaine, yo passe, cherche fatra, se lè sa yo mette le de yo. Jodi a, fatra tout n'est profil. Parce que, de pile moun ki pat kompren. Nan époque sa m'dap pale a, te ge kamyon fatra, te kon basse yon masse fatra yo. Kote kamyon fatra yo. Kode yo? Eh bien, budget criminel la fait acheter pour nous 58 camions fatra tout neuf. On va nous distribuer à travers tout le pays, à toute gros commune. L'autre commune qui pipit yo. M'a le travail pour un effort qui fait. Même si vous avez des petites communes qui piti net, son motocyclette, trois ou qui pour Allah donne pour fatra ramasser, n'a pas cherché une formule pour nous faire fatra ramasser dans tout le pays. Parce que Haïti. Ce n'est pas Grosville seulement. Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince seulement. Haïti et département centre, ce n'est pas rien seulement. Département centre, c'est 11 autres communes qui viennent dans le département. Moi-même, nous avons Bill. Malé. VO. VO. Occupa fait nous. Régla fait nous. VE équipement nous. En cas de opérateur, en cas de directeur départemental, en cas de technicien. Pour que. Nanè, le 7 février 2019, pas de plein, directeur qui a montré que le fait 100 km de route là. Merci beaucoup. Nan nan toute équipe là, moi fier pour me capable parler au nom de toute sélection UVA et toute jeune académique en nous. Madame l'excellence, Madame la Première Dame, nous avons tous les jeunes garçons, tant que les filles, qui vivent dans l'académie comme nous, nous avons tous les jeunes qui jouent au football, nous avons tous les jeunes qui font sport dans le pays. Je dis nous, Madame la Première Dame, nous comptons en pile. Et nous avons garanti que l'honneur ça fait nous booster, nous-mêmes jeunes vins, et l'autre jeune dans cette langue pour nous travailler plus. Nous-mêmes jeunes comme nous, et puis nous arrivons dans cette langue, nous avons une seule pensée, une seule ambition. Parce que nous faisons un pile sacrifice. Nous ne connaissons pas Port-au-Prince bien, parce que nous faisons un seul bagaille. Nous ne connaissons pas le programme jeune bien. Du 1er janvier au 31 décembre, nous faisons deux bagailles. Entraîner et aller à l'école, sous place. Parce que avec Fédération, nous tous avons un rêve que nous exprimons dans nos chansons tous les jours. Nous avons chanté pour vous. Et on va comprendre qui vient nous faire arriver là.
trois, quatre. Chaque 6 heures du matin, faut que nous lever. Dormir comme nos jeunes, mais nous obligés. Parce que nous gagnons rêve pour nous réaliser. Coupe du monde, nous voulons aller. Et pas nous toutes, parce qu'elle voulait arriver loin. Dirigeant yo ban courage pour ne pas décourager. Et bon Dieu ban nous force, li ban nous protection. Mais qu'on est nous à l'école, parce qu'il faut qu'à venir assurer. Pour nous qualifier, nous voulons l'enflemme. Nous qualifier, nous voulons l'enflemme. Chaque 6 heures du matin, faut que nous lever. Dormi qu'on a jeune, mais nous obligés. Parce que nous gagnons rêve pour nous réaliser. Oui, nous voulons qualifier. Oui, nous participer. La Coupe du Monde, nous voulons aller. Chers Grenadiens, je voulais vous recevoir personnellement au palais. En tant que Première Dame de la République, pour vous féliciter et pour marquer mon admiration à votre égard, l'admiration de tout un peuple. Quand vous aviez rehaussé la fierté de toute une nation lors de votre participation à la dernière fois, vous avez qualifié Haïti pour une Coupe du Monde au niveau féminin. Cette fierté reste intacte jusqu'à cette présente minute. Quand vous l'aviez fait, non seulement pour un pays, mais aussi pour toute une région. Par votre réussite, vous faites d'Haïti la première équipe féminine de la Caraïbe à se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est donc historique. Grâce à vous, le nom d'Haïti rentre dans l'histoire du football féminin au niveau mondial. Le dimanche 28 janvier 2018, le dimanche de votre qualification, vous aviez sidéré tous les téléspectateurs et auditeurs, haïtiens et étrangers, tout le monde était suspendu à ce but qualificatif de Charlie Jeudi sur une passe flamboyante de Nerilia Mondésir. Et pour commenter ce but, un chroniqueur sportif d'une chaîne de télé américaine n'a pu s'empêcher de souligner. C'est du football de première classe venu d'Haïti. Justement, les filles. Justement, la fille, vous aviez été magnifique, tout à fait magnifique. Mais sachez-le, vous faites partie de l'équipe de rêve de mon cœur et de celui du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse. Nous croyons en vous, nous croyons en votre capacité à aller plus haut. Nous sommes à vos côtés. À ce stade, il est opportun que j'adresse mes félicitations aux parrains des Grenadières. Je sais que vous êtes particulièrement dédié. Mes félicitations vont aussi à l'endroit de la Fédération haïtienne de football, à la ministre des Sports et à l'Action civique et au ministère tout entier pour leur engagement. Un engagement à maintenir envers et contre tout. Mes remerciements et félicitations vont également à l'endroit du staff technique qui a accompagné l'équipe. À toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite d'une manière ou d'une autre. Mes chères filles, chères Grenadiens, je veux terminer mes propos en vous renouvelant mes remerciements pour la joie et la fierté que vous avez donnée au peuple haïtien. J'ai en effet ressenti une immense émotion lorsque vous aviez réalisé cette performance qui est applaudie partout à travers le monde. Je crois au plus profond de moi que vous allez réaliser d'autres records, personnels et collectifs. La Coupe du Monde féminine vous attend cet été en France. Quoi de plus beau pour un sportif quand il se dépasse lui-même? Donc, remettrez-vous au travail pour être au top, pour affronter le niveau mondial et définitivement y rester. Mon souhait par ailleurs, mes chères filles, est que votre expérience puisse servir à toute la vie des modèles, qu'elles sachent que comme vous, si elles travaillent dur, elles peuvent arriver au sommet, peu importe leur sphère d'activité. Qu'elles œuvrent au niveau du sport,
de la culture et des arts, de la science et de la technologie, elles peuvent elles aussi briller de mille feux. Alors je vous encourage à continuer à porter haut l'étendard haïtien et que vous continuez à être cette lueur d'espoir dans le cœur de cette jeunesse pour apporter les changements vers cette nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Vive Haïti, vive la jeunesse haïtienne, bravo à vous les Grenadières.